le pays est en ébullition, pays a fermé, tout côté fermé, seuls quelques bureaux de transfert qui ouvraient avec porte marchande bolette qui l'ouvrit. Et donc, nous avons parlé là, et M. Syndicalicio, qui est le transporteur de produits pétroliers, qui à un certain niveau, eh bien, M. Sao qui est en disposition pour capable eh bien, tomber mon ordre de grève ça. Alors, à la base de ce mot d'ordre de grève, c'est la question du kidnapping et la question de la montée vertigineuse des prix de produits pétroliers. Naturellement, faut que nous dit que les affaires Van Gaal sous côté A, c'est lui-même qui est à la base de tout problème ça qui pose là. Et maintenant, monsieur produit pétrolier, monsieur chauffeur, qui est même qui a transporté gaz là, ils ont fait qu'on est eux-mêmes, ils ont victime des actes kidnappés. Et de fait, ils ont victime des actes kidnappés. Oui, en plus, il faut être sorti Cafou, en plus, il faut être aussi vareux. Eh bien, monsieur qui est dans une zone Matistan, zone Grand Ravine, ils ont kidnappé. Maintenant, on a un problème qui est posé, je vous le dis là. Donc, on dit que politique là, entier en ligne de compte là-dedans. Non, on ne va pas la voir là. Dans la dernière conversation que nous avons avec le chef. OK, le chef du GNF, à savoir Barbecue, qui a bien pour intervenir dans la radio, dans quelques minutes, eh bien, Barbecue fait connaître que, même au niveau de GNF, sont ouais, informations qui ont circulé sous base que vous êtes en négociation avec monsieur le gouvernement, il dit c'est menti, donc il vient pour intervenir, tout ça, parce que, et l'aime tant des informations hein, sur tout réseau, nous avons essayé, comme journaliste, pour me garder, parce que monsieur a dit qu'il y a un kidnapping. Donc, si ou t'a essayé, si ça ou t'a dit sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, il y a Haïti 24 qui est à la gueule, Métro Lombre qui est à la gueule, comme quoi, t'as un monde dans le gouvernement qui t'a fait connaître monsieur Genefio, dans la négociation avec le monde qui est dans l'État, une source gouvernementale, t'as fait quoi que, yo t'a barré espace pour gaz à sortie va eux pour aller de l'autre côté. C'est dans la négociation, je t'ai demandé pour que tu aies 50 millions de gouttes. Selon Barbecue, selon Jimmy Chérité, l'ancien policier, M. Fakonekin, pas jamais parlé comme ça, cette tractation qu'on fait au niveau du gouvernement, ok, Ariel Henry t'a demandé pour négocier, mais au même pas dans la négociation avec Ariel, il a seulement gagné comme objectif réclamer le départ de Ariel Henry comme monde qui t'a participé, qui t'a gagné implication présumée dans les assassinats qui viennent sur Jovenel Moïse. Donc, monsieur, selon ça, on dit, là, on a parlé de M. Genefio, qui confirmait avec moi, c'est un mensonge, on ne peut plus, selon Barbecue. Naturellement, c'est un Mécanor, selon l'information qui a fait quoi, que, alors, c'est un Mécanor, selon l'information articulée, comme quoi, Mécanor t'a demandé l'État pour t'abayer 50 millions de gouttes pour être capable de débloquer en bas. Selon Jimmy Chérizier, qui est chef, et qui est un chef et Genefio, nous connaissons Mécanor, c'est un chef Genefio tout. Donc, selon ça, je dis, lui-même, il va dans le kidnapping, il va dans le volet, il va dans le négocier à l'État, il ne va pas négocier avec Ariel Henry. Une seule négociation à faire avec Ariel Henry, c'est Baïtalon, quitter Primatulan, quitter tête pouvoir, dans le moment où on a parlé. Là, ça, c'est comme ça, eh bien, Jimmy Chérizier a parlé, et là, bien pour l'intervenir, sous ma débat, pour le capable de confirmer ou infirmer l'information qui a circulé, comme quoi, eh bien, la question de barrage, de blocage, si tu as fait au niveau de barreux, et l'Italien, oui, avec question réclamation de 50 millions de gouttes. Ok, donc, capé là. Alors, Esaü, avant d'aller, est-ce que vous confirmez que vous bloquez et gaz dans le vrai? Depuis hier, vous avez bloqué votre douane, vous avez confirmé ça avec Jimmy Chérizier. Moi, j'ai demandé, est-ce que vous bloquez espace pour le gaz là? Il dit oui, c'est vous-même qui bloquez espace là, c'est Genève qui bloquez espace là, et c'est Genève qui bloquez espace pour qui va jouer à l'OEA. Il dépose une question, d'ailleurs, l'MT est barré, il dépose une question pour qu'on ait. Et qui groupe ça embarrasse, c'est sous l'obédience Jolie. Monsieur dit que oui, c'est eux-mêmes qui barrent lui, eux-mêmes, ils ont campé en quoi contre Ariel Henry, c'est objectif mouvement paysois. Objectif mouvement paysois, c'est réclamer le départ de Ariel Henry. Maintenant, il y a des gens dans le gouvernement sur le monsieur, avec un fait tractation, qui a plombé dans de bagaille, pendant que eux-mêmes ont dit, ils n'ont pas de négociation avec Ariel Henry, une seule négociation à faire avec Ariel Henry. De réclamer le départ pur et simple de Ariel Henry, qui selon eux-mêmes a impliqué dans les assassinats sous Jovenel Moïse. Donc c'est parti pour Mégué là, son gourmet politique on ne peut plus, son paquet de l'obéi, est-ce que Mikano a négocié avec le gouvernement tout bon vrai? Est-ce que Guinée-Rende de Genève qui a négocié avec le gouvernement vrai?
Donc, un fait est clair, c'est que nous autres, au niveau de la presse, nous pas pour nous confirmer ou infirmer l'information. C'est M. Genève, c'est le mensonge ou la vérité de Genève et des membres du gouvernement face au mensonge ou la vérité des membres du gouvernement. Georges de l'Espidon. Et ça, c'est ça. 400 Marozo, eh bien, campé mine, hier soir, ils ont libéré deux Chinois. Oh. Hier soir, 400 Marozo libéré deux Chinois qui étaient nommés, ça a plus passé 15 jours. Deux Chinois, yo, qui étaient nommés 400 Marozo, ils ont libéré contre rançon. Ça va parler dans la radio. Alors, et c'était, ils ont kidnappé deux Chinois avant, ils ont kidnappé Américains. Avant Américains et Canadiens, ils ont kidnappé deux Chinois. Professeur Lérisson, après nous après. Ils ont kidnappé deux Chinois, mais hier soir, après suite à la négociation qui fait, M. 400 Marozo libéré contre rançon en pile l'argent des milliers de dollars américains. M. Chinois, ça, nous connaissons la Chine, c'est une grande puissance. De 400 Marozo a attaqué la grande puissance, les grandes puissances mondiales, économiques. De 400 Marozo. Qu'en a-t-il des Américains? Ça dit pour yo. Pour les Américains, négociation a continué. La ronde de négociation entre les agents de la CCE, la cellule de contrôlèvement et au niveau de la DCPJ, et les agents du FBI et la police canadienne, ils ont continué à négocier l'aller mener vini, parole sous parole, à M. 400 Marozo, tant pis s'il plaît, libérez Mounio pour nous, c'est ça qu'on a parlé dans le moment où on a parlé là. Et donc, les Américains, face à 400 Marozo, et les Canadiens, face à 400 Marozo, après kidnapping qui devait souffrir, nous rappelez-nous. Donc, ça veut dire que ça a montré à clair que 400 Marozo sont puissants en pile. Après France Terre, la France. Ils prennent Chinois, ils prennent Américains, ils prennent Canadiens. Donc, ça veut dire. Ils prennent Dominicains. Ah, Dominicains. Donc, Dominicains, c'est chargé. Vous connaissez le service secret dominicain qui a financé eux. Donc, c'est plus ta maman et plus ta papa. Donc, non, on a parlé là, c'est que monsieur a pris l'argent dans mes yeux. Il a fini de prendre l'argent dans mes Chinois. D'ailleurs, les Chinois ont négocié en pile milliers de dollars américains. Alors, on ne sait pas les chiffres exactement, mais un fait est clair, c'est confirmé, les Chinois sont libérés hier soir, après plus de 17 jours, entre les mains des membres de 400 Marozo. Et les Américains, et les Canadiens, et sans compter certains businessmen, des gens qui ont fait business dans le pays, qui n'ont même 400 Marozo dans le moment où je parle avant la Joseph Lixon. Donc, ça veut dire que monsieur est puissant en pile, et il a montré qu'il est puissant. D'ailleurs, il y a un ultimatum à Américains. D'ailleurs, Français ont demandé pour fermer les portes et l'ambassade. Et il y a un ultimatum à Américains. Si, dans 3 jours qu'il vient là, monsieur Américain, Canadien, pas bail l'argent que vous demandez, il a commencé à tuer Américains qui n'ont pas eu. Donc, ça veut dire que. Et pas de changement, c'est toujours le même chiffre. Il y a toujours un peu qu'il a gagné 17 millions de dollars américains. 17 millions de dollars qui ont demandé pour 16 Américains plus 1 Canadien, ça fait 17 millions de dollars. Pour chaque tête, ils ont demandé 17 millions de dollars. 1 million de dollars par tête de personne, par tête de bétail. En tout cas, pour moi, dans la grève, dans la zone où on est déjà au passé, comment on est et la rue? La rue a fermé net. Et quelques graines moto, parce que, et Gombara est dans l'arrière, et tout nègre qui t'a accepté acheter gaz à 450 $, d'ailleurs, faut que nous disions qu'il y a des mouns, et qui, et à la fois, je dis pas que c'est pas un gaz, même pas un gaz, dans un cafou, et j'ai nègre qui choisit, qui t'est serré avec petit gaz à caillot, capement des mouns, il y a vendu gaz à 450 $. Maintenant, il y a des mouns, non, il y a divers observateurs qui disent que, si on est accepté acheter un gallon gaz pour 450 $, c'est que soit tu es participé dans l'assassinat sous Jovenel Moïse, ou bien on habite chez Baï, Bandi Guidon. Baï Bandi Guidon, vous voulez dire que ou Bandi Guidon, on va conduire Bandi pour aller tuer les gens, pour aller voler. Donc ça veut dire qu'on a caché un gallon gaz pour 450 $, ok? Ils le considèrent comme voler, comme zéglé d'eau, parce que si on cache un gallon gaz pour 450 $, c'est qu'on soit volé. Donc c'est qu'on s'abat là, et là, dans le moment où on a parlé, voilà, là. Situation tête chargée. Et les 400 Marozo, monsieur, ont montré à clair, ils ont campé mine,
Les gens montrent à clair, ils n'ont pas d'agrément, ils n'ont pas de voix avec les Américains et les Canadiens. Et ceci dit, sans compter l'autre monde qui est la caillou dans la pleine, c'est pas des bouquets. Oui. Donc ça veut dire que monsieur. Il y a des gens qui prennent la caillou même. Une demoiselle qui prend. Et depuis quelques jours, il n'y a pas jamais de nouvelles. C'est le cas, c'est le cas. Et c'est comme si mon devant tout. C'est comme si mon devant était prêt. Et dans zone quoi des bouquets. Et qui toujours nommé monsieur Katsama Ozu. Donc c'est comme ça la situation, aujourd'hui l'accident. Et nous connaissons. Et faut nous dire que route là pas bon, route là pas bon, route là crasé, en pile de l'eau sur route Matissan, mais faut nous dire que monsieur, ils font baisser les armes, et ils font baisser les armes, et ils n'ont pas attaqué le monde qui a passé dans le moment où on n'a pas la voie là, sinon que, et c'est bien mon tout, et c'est bien mon tout, sinon que son lari blanche, son lari blanche, son lari blanche, pas de machine, pas de rien qui a fonctionné. Quelques graines machine bolette qui l'ouvre porte bolette avec certains bureaux transfert qui eux-mêmes eh l'ouvre porte. Donc c'est sa situation et là José l'Occident. Donc prenez l'antenne et si j'ai plus, ma va dire, ma va chercher qu'on est, mais pas oublier. Et nous parlons gagner et en direct depuis la capitale, eh bien, et le porte-parole du GNF qui lui-même, eh bien, qui était déjà pour ton démenti. Pral et pour ton déclaration sous matin débat dans quatre dossiers qui gagnent question négociation qu'a fait avec Ariel Henry yo déclaré selon barbecue Jimmy Cherizier yo pas dans négociation avec aucun monde dans gouvernement l'essentiel c'est bay talon. Merci un peu les Esaü César. Voilà et c'était Esaü César dans la rue Port-au-Prince. Nous pour aller là avec professeur Dieudonné Lérisson qui